Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous célébrons les 25 ans de carrière de Claude Rajotte. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir tout le monde aussi. Hein? Les hommages, Claude, ça te fait quoi? Ça fait très plaisir. Oui. Très, très plaisir. 25 ans, c'est long aussi, mais... Oui, ça doit donner le vertige. On continue encore 25. Le vertige, non, c'est pas si pire. Pas si mal. Ouais. Alors, ce soir, on est en compagnie d'amis de Claude Rajotte, des collègues de travail. Ah oui, j'ai vu ça. Il y a quelques personnes que je connais. C'est ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer ce soir. Il y en a qui pensent que je vais savoir mes noms. Vraiment pas. J'ai pas passé 18 fois en auto devant Musique Plus aujourd'hui. Pour savoir... T'as respecté les consignes qu'on t'avait donné. Exactement. J'ai refusé de regarder dans le studio quand je suis rentré tantôt, donc surprise. Alors, tu fais ce métier-là depuis 25 ans. C'est un métier que tu as choisi. Tes parents, à l'époque, tu penses qu'ils auraient voulu... Non, c'est pas un métier. C'est le métier que j'ai choisi. Oui, absolument, parce que moi, j'ai commencé, je m'en allais psychiatre. Psychiatre? Ben, ça payait, ça donnait 50 000 piastres par année dans ce temps-là. J'ai dit, psychiatre, wow, c'est intéressant. J'étais complètement nul. Et finalement, j'ai commencé à faire, pas comme psychiatre, mais j'ai décidé de lâcher les études et d'aller faire de la radio tranquillement. Puis je me suis fait attraper par la radio, par la musique. Mais ça, maniaque de musique, je le suis depuis comme ça, à peu près. Depuis que t'es haut comme ça. Comme quatre pommes, c'est ça. Mais pour connaître l'homme, pour connaître notre Rajotte comme il faut, la meilleure chose, c'est peut-être d'aller à la source. Alors, pour comprendre ce qui a façonné Claude Rajotte, on a envoyé l'as reporter de Musique Plus, Patrick Marcellet, pour aller à la source. Alors, voici, on l'a donc envoyé en mission. Regarde bien. OK, d'accord. Chapeau, un gros coup de chapeau. 25 ans de carrière, moi, j'en reviens pas. Moi, on m'a mis en mission, on m'a chargé d'aller suivre les traces de Claude Rajotte à partir de sa petite enfance jusqu'à son adolescence, jusqu'à ses premières jobs, même à la radio de Drummondville. Et est-ce que Claude Rajotte pouvait venir d'un autre endroit que Notre-Dame du Bon Conseil? Le Bon Conseil pour les albums, c'était évident. D'autant plus que, regarde, Geneviève, c'est la capitale québécoise du fromage. C'est donc ça, Claude, la petite odeur de tes pieds. Vous savez que Claude est un homme de cœur et que les causes caritatives lui tiennent énormément à cœur. Eh bien, ici, au Salon Clément, Claude est le président honoraire à Notre-Dame du Bon Conseil. Première arrêt à Notre-Dame du Bon Conseil, la maison natale de Claude Rajotte. Et surtout, la rencontre avec la créatrice de ce génie, Madame Rajotte. Je suis sérieusement très ému. Je sais pas si Madame Rajotte est grande ou... Madame Rajotte. Oui, bonjour. Ça va bien? Madame Rajotte, je suis ému. On sent de le voir encore quand il était petit. Hein? Ça se passe vite. Le premier moment où Claude a commencé à écouter de la musique, ça devait être assez jeune quand même. Hein? Il en écoutait beaucoup, de cas. Parce que, comme je te dis, il y avait sa petite enregistreuse, puis tout ça, il était pas tellement vieux. Il avait à peu près 6-7 ans. OK. Ah oui, puis il adorait ça. Puis j'avais des fils partout dans la maison pour ça. OK. C'est ça qu'il disait. Un jour, je vais gagner ma vie avec la musique que j'aime. Les disques traînaient. Oh non, ça, je pense pas que ça traîne chez eux non plus. Non. C'est un gars ordonné. Oui. Une fois, par exemple, on le cherchait. Je pense à ça, il y avait 9 ans. OK. Il avait été s'amuser avec un garçon de l'autre bord de la rue, mais plus loin. On ne savait pas là, qu'il allait là. Il était au bout d'un pit de sable, je pense, ou de gravelle. Et puis, là, il s'amusait avec le petit compagnon pour avancer des grenouilles et tuer. On s'est mal cherché partout, nous autres. On le trouvait pas. Là, la première nouvelle, il arrive, on dit, où est-ce que t'étais? Et j'étais juste là-bas, tu M. Ménard, là, puis il dit, on avait du fun, il dit, tu fais les grenouilles. Il vous l'a dit.
Oui, 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 bien oui. Il paraît que vous êtes une excellente pâtissière. Parce qu'à 14 ans, quoi, il pesait à ce moment-là? C'est de 210 ou 214. Je l'ai en arrière d'une photo, mais je ne sais pas quelle photo, donc je l'avais marquée. OK. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait ça qu'on monte la photo, de toute façon. Je ne suis pas convaincu qu'il voudrait qu'on monte. J'en ai pas, moi. OK, vous n'avez pas de photo de... Non, quand il était gros, j'ai une de mes soeurs à Montréal, puis c'est tout filmé. OK. Puis quand je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. OK. Je l'ai reconnu, gros de même. Aviez-vous confiance en Claude? Quand vous le regardiez aller, puis tout ça, quand il a choisi d'aller en musique et tout? Il a commencé à CHRD, quand il a fait son secondaire, je pense, ça. Ouais. Et puis mon mari allait le conduire le samedi puis dimanche. Puis moi, j'écoute toujours les avis de décès. OK. Puis il dit, maman, comment tu fais pour écouter ça? Il a commencé par ça, CHRD aussi. Il faisait les avis de décès, pour vrai? Oui. Ah oui. Fait que c'est ici, donc, dans cet édifice-là, que Claude a commencé sa carrière d'animateur. C'est effectivement ici, dans cet édifice-ci. Je sais que ce que j'ai entendu dire, c'est que Claude a commencé à CHRDAM, par la suite CKRV, qui était une station un petit peu plus jeune, un petit peu plus dynamique. Puisque c'est ce qu'il faut faire pour atteindre la sagesse et la maturité de Claude Rajotte, j'irai. Musique, s'il vous plaît. À Drummondville, le 18 mars, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Jean Narache, époux de Mme Nanette Ouellette, domicilié à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Les funérailles de M. Narache auront lieu ce lundi à 14 heures. C'est ici, dans le très chic Drummondville, que Claude Rajotte, adolescent encore boutonneux et à la recherche de son identité, est venu prendre ses premiers pichets de bière en compagnie de ses petits copains du cégep. C'est ici que Claude Rajotte a aussi appris à jeter son fiel sur les artistes. Hey, toi, ton disque, là, est à vomir! Quand j'en entends parler, parce que je vois ces journaux, je ramasse tout ça. J'ai un panier dans sa chambre, puis même j'en ai donné une fois, j'en avais trop. Et puis là, je ramasse toutes les nouvelles, tout ça. Hein. OK. Oui, oui, oui. Si jamais l'envie vous prend de suivre Claude Rajotte à la trace, bien, vous allez devoir venir ici. En fait, c'est le Café Bistrot, le Saint-Georges. À l'époque, ça s'appelait le Manoir. Ça a été transformé depuis. Il semblerait que Claude aussi a pris des méga brosses là. Maintenant, c'est devenu une résidence pour retraités. Donc, Claude, tu as commencé ton adolescence juste là. Puis il y a une place qui t'attend une couple d'années encore. Mais bon, prends ton temps. Il dit qu'est-ce qu'il pense, hein? Ça, vous pensez que c'est un défaut? Oh, moi, ça, quand j'entends ça, des fois... Une fois, j'ai dit, toi, avec tes 10, là, que tu cours, t'as pas peur de recevoir des tomates? Quand vous le voyez là, à la télévision faire ses destroys, là, puis piler sur des albums avec bien, un oui, jean, c'est puis ça, il est dit, content. Là, je me dis, il doit se défouler d'abord. Ouais. Êtes-vous surprise? Aimez-vous ça? Ben, moi, je ne le ferais pas. J'ai dit, ça me gênerait à faire ça. Ça reste une femme gênée. Moi. Fait OK. En tout cas, quand je le vois, puis ses gros yeux virent à l'arrière. Là. Ça, vous n'avez pas ça. Quand vous le voyez là, dans le début de l'émission, là, dans son corbillard, quasiment. Non, ça me. Non, ça me dérange pas plus que ça, mais je me dis, mon Dieu, regarde donc, qu'est-ce qu'il y a l'air. Selon la légende, il y a eu un paquet de chicanes de guerre intestinale, de guerre de clan au conseil du village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour qu'on honore Claude Rajotte de son vivant, ce qui ne fut jamais fait. C'est finalement ici, à Drummondville, qu'on a décidé d'honorer la mémoire de Claude Rajotte de son vivant. Claude, t'es une idole. C'est pour ça que je t'aime, c'est pour ça que je t'aime. Bonjour Claude, j'aimerais te souhaiter un bon 25 ans de carrière. Tu as apporté beaucoup à l'industrie, puis j'espère que tu vas en apporter encore un bout. Bon, tu sais, c'est sûr que tu nous critiques beaucoup, puis là, ça, des fois, ça nous autres de te critiquer. Moi, je veux dire, personnellement, je te donne un moins 12 Celsius, parce que pour toi, ça te donne 9 Fahrenheit, 9 sur 10. Peut-être à ton âge, je ne sais pas. Hein. Ça, tu connais pas encore Celsius, je ne sais pas. Mais anyway, on t'aime bien, Claude, puis à la prochaine. Salut, Claude. Je suis levé un matin et puis je pensais à toi. J'ai écrit un petit poème. Ça se lit comme suit. Un matin, je me suis levé.
J'ai ouvert la télé et j'ai vu Claude Rajotte de très mauvaise humeur. Il pitchait mon CD avec celui de Whitney comme s'il était sur un show de Jerry Springer. J'ai eu le cœur brisé, mais je n'étais pas fâché, car aujourd'hui, mon char est payé. Mais mon prochain CD, j'ai vraiment travaillé et j'espère tout de même que tu vas l'aimer. Pour ce qui est de l'autre côté, ben écoute, moi, pour ton choix musical, ben je te donne un 6 sur 10. Évidemment, ben ça peut changer selon la prochaine critique que tu vas me faire. Côté travail, ben ça, tu fais un assez bon travail. Je te donne 8 sur 10. Et côté personnalité, par contre, ben ça, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sur 10. Et en passant, ça fait longtemps que je voulais te le dire, là, je t'ai trouvé super, super bon dans la famille Adams. Félicitations, même pour tes 25 ans, et je t'en souhaite un autre 25. Mon cher Rajotte, c'est à ton tour de te laisser. Assez! Félicieux, c'est pas bon, mais pas une marque. Hey, hey! Oh, pas capable! Maudit vidéo clip, 25 sur 10! Ah! Salut, bienvenue à Radio Vidéo. Musique Plus et à travers ces émissions de radio, Claude Rajotte avait déjà animé une émission qui s'appelait Radio Vidéo, qui avait été créée par Pierre Marchand. Pierre Marchand, le créateur aussi de Musique Plus. Alors, ben Pierre, bienvenue. Tu vois, Claude, c'était un fashion statement. Ben oui, et t'étais hein? beau, Claude. C'était vraiment des sauts hallucinants. J'allais, je ne sais pas où, à Montréal, pour trouver ça. C'était aujourd'hui, c'est absolument monstrueux. Mais sérieusement, il arrivait dans le studio, c'était PMT, le studio qu'on voyait. Et okay. puis, vraiment, tous les semaines, on checkait ce qui était porté, parce qu'on faisait trois shows dans une journée. Ah oui, il fallait qu'il change. Il était 8 heures du matin, donc peut-être que ça frappait encore plus, je ne sais pas exactement. Ça. Mais comment tu étais allé chercher Claude à l'époque pour cette émission-là? On avait commencé Radio Vidéo en 81 avec un autre animateur qui s'appelle Normand Sauvé. Okay. Normand n'était pas un gars de musique. J'avais entendu, en fait, j'ai fait des auditions, j'avais entendu Claude à radio. Je le connaissais à chaud, le gars avec l'accent qui connaissait tout. Ouais. Et puis j'avais fait des screen tests avec un paquet de monde. Et Claude était arrivé, j'oublierai jamais, pas rasé, tout croche. Et puis là, je donne des feuilles, puis il me lance les feuilles à terre, je n'ai pas besoin. Pas besoin de tes feuilles. Puis il me parle de. J'ai dit, parle-moi de tel groupe. Il me parlait de tous les groupes. Honnêtement, je l'ai engagé tout de suite. C'est le gars qui connaissait le plus la musique dans tous les gens que j'avais rencontrés à l'époque. Vous deviez avoir l'impression d'être des pionniers à l'époque, à cette époque-là, faire une émission de vidéoclip comme ça au Québec. C'était à l'époque où les gens ont commencé à me reconnaître, parce que c'était juste sur le câble. Hein. C'était le canal 26, le canal jeunesse, c'est ça. Puis c'était, on savait pas si ça allait durer, le phénomène vidéo. Il y avait Friday Night Videos, MTV existait à cette époque-là. Much Music n'existait pas, ni Music Plus, bien sûr, mais moi, j'avais vraiment... C'était différent. Tu sais, je m'étais fait poser des dents pour faire la télévision parce qu'il me manquait une dent. C'est vrai. Je me disais, peut-être m'en faire de la TV un jour. Ben, j'aime vraiment beaucoup communiquer, mais puis la caméra, ça me dérange pas du tout. T'sais. Mais Claude avait une facilité. Je veux dire, le Claude que tu connais aujourd'hui, c'est un Claude qui a beaucoup de maturité. Qui est... Bon, mais déjà à l'époque, il l'avait tout de suite. Il l'avait déjà. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, j'avais fait une test. Puis c'était ça. Et même pas l'insécurité là, à faire de la télé. C'est là que je n'ai pas conservé le screen test, parce que tu verrais à quel point il était déjà à l'aise devant une caméra, même s'il n'avait jamais fait, je pense, à l'époque. Non, jamais. Non. Écoute, on parle de 82, je pense. On n'était pas sûr. Le screen test, c'est en 82, ça, je suis certain. On a commencé fin 82 à travailler avec ça. Alors, donc, Claude est ici à Musique Plus depuis les débuts. Bon, tu as voulu qu'il fasse partie de l'aventure Musique Plus. Comment, à travers les années, tu as vécu avec ses coups de gueule, le fait qu'il dit vraiment qu'est-ce qu'il pense, ce gars-là, par rapport aux artistes, par rapport à plein de choses? Mais 3%. Poursuites. Des poursuites, hein? Sérieusement, Claude, on a toujours bâti Musique Plus autour de gens qui étaient passionnés de musique. Mm-hmm. Et Claude a toujours été la pierre angulaire de ça depuis 86-87, où il est devenu une référence. Et aujourd'hui, on regarde 13 ans plus tard, Musique Plus.
Moi, les gens de 15, 18, 20 ans me parlent de Claude Rajot, quelqu'un qui est l'autorité en musique. Et c'est la plus grande force de Claude, c'est qu'il a su évoluer avec toutes les générations et pas rester accroché à ce qu'il aimait à l'époque des années 70. C'est sûrement ma plus grande qualité, en tout cas. C'est la curiosité, mais ça, c'est ça. Je pense qu'on l'a, ça se développe peut-être, je ne sais pas, mais j'ai toujours été très, très curieux. Également, il n'y a pas seulement Musique Plus et la radio, vidéo, tu as travaillé, tu as aussi fait de la télé à TVA avec Reine Malo. Reine Malo? Qui est avec nous. Allô. Bonsoir, Reine. J'adore Reine quand même. Bonsoir, vraiment. Claude. Toujours tu dois être étonné de me voir là. Oui, absolument. Quand même, oui, la dernière fois que je t'ai vu, c'est dans un studio de radio, Radio-Canada, je crois. Effectivement. C'est comment la dynamique quand vous travaillez ensemble à l'époque? Écoute, je dois dire que Claude, à l'époque, là, ça a été le plus grand choc culturel pour, Télémétropole et Bon Dimanche. Oui. Mais il n'était pas destroy autant à cette époque-là. Il y avait déjà des goûts quand même originaux. Il y avait des goûts originaux. Je sais que pour moi aussi, c'était un choc culturel parce que tu te rappelles, moi, j'aimais Georges Brassens, Léo Ferré. Alors, mon premier contact avec Claude, là, ça a été comme un virage complètement dans ma culture musicale. Moi, je parlais... Je l'ai trouvé tellement extraordinaire. Merci beaucoup. Moi, je parlais de trucs alternatifs à l'époque. Pour moi, j'avais pas vraiment encore saisi entre les artistes commerciaux, puis... Donc, je parlais de Killing Joke à Rennes. Parfois... de Gay Bikers en acide. Ah ouais, pourquoi pas? Est-ce que parfois, vous alliez acheter des albums qu'il avait recommandés? Est-ce que ça avait élargi? Non. Sûrement pas. Non, mais ça m'a quand même ouvert l'esprit à une autre culture. Et pas seulement moi, tous ceux qui écoutaient Bon Dimanche. Et à partir de là, tu as déjà été une référence. En Bon Dimanche, ça a été vraiment le grand lancement télévision. Jean Guimond qui réalisait l'émission. À l'époque, c'est lui qui m'a téléphoné. Et je savais pas que j'allais être critique de disque, moi, mais j'en avais déjà fait. Mais vu que j'aime chialer sur n'importe quoi, donc pas de problème, et que j'adore la musique, donc j'ai commencé à faire des critiques. J'ai été guidé par Jean aussi. Et puis après ça, ben, j'ai demandé à Pierre de faire des critiques ici à Musique Plus. Et puis, ben, ça s'est enchaîné. Mais c'était un naturel pour toi de venir à Musique Plus. Ça m'est... Parce que là, on ouvrait vraiment des grandes portes. C'est l'univers parfait pour toi. Oui, je suis chez moi. Oui, t'as pu exploser, là. Ouais, oui. Alors qu'à Bon Dimanche, t'étais un petit peu plus... Plus straight, un peu TVA. Irène, la plus grande drame de Claude, ça aurait été, je me souviens quand on a créé Musimax, c'était de dire, tu m'enverras pas à Musimax. Le combat. On te garde ici à Musique Plus. Je me sens, je sais pas là, peut-être plus tard. Dans ta place, c'est ici. Alors donc, on sait que Claude adore la musique et tout ça. Il y a des grands talents d'animateur, mais il y a aussi des talents d'acteur. Claude a des talents d'acteur et vous allez pouvoir le constater dans les extraits qui suivent. C'est tous Claude Rajot comme animateur, comme VJ, mais saviez-vous qu'il est également acteur de téléroman et acteur de cinéma? Et d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a à peu près 3-4 ans, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec lui sur le tournage de J'en suis. Félicitations, Claude, pour tes 25 ans de carrière. J'ai sico-sico, mon tube de couleur. Je viens seulement en blanc. Est-ce que c'est ta première expérience cinématographique? Absolument, à vie. C'est mon tout premier tournage. Hier, c'est pas très long, mon personnage, mais il est important parce que c'est la matière... Très important. C'est la matière première de la peinture de la Sodoma, qui est la peintre vedette. Et moi, je fais le rôle de Sico Sico. Et j'avais deux lignes à dire, donc j'ai pas eu trop de problèmes au niveau de la mémoire. Claude apprend vite, à peine a-t-il terminé sa première scène, qu'il nous offre déjà une leçon de cinéma. C'est important de donner la réplique et de faire les bonnes gestuelles du visage lorsque le gros plan est sur toi, parce qu'en cinéma, tout est découpé. Pour faire une scène d'une minute, il se passe 13 heures à la faire, cette scène-là. Mais il faut, ce qui est important, c'est d'être aussi bon au début qu'à la fin et de, quand on fait le gros plan sur toi, de donner le maximum. C'est ce que j'ai fait hier. Je ne sais pas ce que ça va donner au grand écran ou dans un ciné-parc, peut-être, avec un popcorn. Caro, je suis estomaqué, super, méga hit. C'est vraiment une chanson autobiographique. Oui. Est-ce que ça pourrait être le début d'une carrière? Ah, ça, je ne sais pas. J'attends les offres. Il n'y avait pas... Spielberg, j'attends. Mon numéro de téléphone est dans le bottin de l'Union. Alors, E.T. 2, peut-être? Oui. Pour un
rejoindre Claude Rajotte. Faites le 514-790-PLUS pour Montréal ou le 1-800-567-5656 pour l'extérieur. Vous pouvez nous faxer vos questions au 514-284-1889 ou les faire parvenir par courriel à rajotte@commercialmusicplus.com. Mon cher Rajotte! C'est pas bon, mais pas les marques, d'un coup. Hey, yeah. Oh, ouais. Pas capable. Maudit vidéo clip. 5 sur 10. Bienvenue à Musique Plus. Je connais Claude Rajotte depuis très, très longtemps. J'ai rencontré Claude au primaire. On étudiait ensemble à Lanaudière. Et ensuite, on a pris des cours de musique ensemble avec une professeure, une musicienne hongroise. On a appris le grégorien slave avec Claude Rajotte. J'ai partagé un appartement avec Claude Rajotte. On a quitté l'université ensemble au début des années 70. On s'est loué un loft parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent en haut de la boutique Scandale sur Saint-Laurent où on partageait ça avec toute une commune. J'aime mieux pas en parler. Ensuite, on a été arrêtés ensemble pendant la crise d'octobre. On a été enfermés dans la même cellule et là, j'ai pu admirer tout le courage, la persévérance de Claude Rajotte à surmonter les épreuves difficiles comme celle-là en a été une. Et même si à plusieurs reprises dans la cellule, il a voulu abuser de moi, prendre mon... J'aime mieux pas parler de ça. J'en ai jamais voulu pour ça non plus. Puis je comprends que bon, dans des situations extrêmes, Claude réagit. J'ai revu Claude plus tard, quand il avait perdu connaissance lors de sa labyrinthite, qui a duré à peu près 3 ans, si je ne m'abuse. Alors, j'étais allé le ramasser aux Deux Pierrots, dans le Vieux-Montréal, lors du spectacle de Pierrot Fournier, Chantebrel, que Claude devait aller couvrir pour... le cimetière des chansonniers ici, et j'ai donc renoué contact avec lui, et j'ai pu apprécier que la maturité, l'expérience, quand on atteint la cinquantaine, évidemment, je pense que le meilleur de l'homme ressort à ce moment-là. Alors, même si on en perd énormément physiquement, même si on s'affaisse, même si les chairs s'écroulent tranquillement, l'intellect, lui, s'élève. Alors, pour tout ça, Claude, je te donne un vigoureux 3 sur 12. Bon 50e anniversaire, Claude. Profites-en bien, il te reste quelques bonnes années devant toi. Profites-en. Alors, voici un autre moment très spécial parce que je suis en compagnie d'anciens animateurs de Musique Plus. Alors, tous des gens qui ont côtoyé des vieilles groupes, tous des gens qui ont côtoyé Claude Rajotte pendant plusieurs années. Alors, je vais tous vous les présenter un après l'autre en commençant par ici, avec Marc Ouateux, Nathalie Richard, Marie Plourde sur les genoux de Claude Rajotte, Paul Sarrazin, Sonia Benezra, Paul Beauregard et Francis B qui est tellement occupé, il est déjà au téléphone. Je te laisse, là. Il est tellement occupé, c'est vrai. Qui c'est qui veut parler en premier? Sonia. OK. Sonia. OK. Je sais, Geneviève, qu'il y a très peu de temps, mais je sais que, tu sais, on est en train de rigoler, de se rappeler des beaux souvenirs et tout ça, mais moi, je veux juste dire que ça a été tellement un plaisir de travailler avec un homme si professionnel. Est-ce que ça vient de ton fond? Ça vient du plus profond de mon fond. Bon. Et je veux juste dire que les antiquités valent beaucoup plus que des nouveaux meubles. Ah, merci. Faut bien les rénover. Hein, c'est vrai qu'il te volait tes boucles d'oreilles en cachette. Voler mes boucles d'oreilles. Aussitôt que je terminais la mise en onde, puis je m'en allais chez nous, je pitonnais, puis je tombais sur Musique Plus, puis dans mon tiroir, puis cachais toutes sortes d'affaires, puis en onde, dire, gardez ce que j'ai trouvé dans le tiroir de Sonia Benizan. Il fallait que je lui donne 20$ pour qu'il parte de mon rock velours tellement il aimait cette musique-là. Il a déjà animé, d'ailleurs. Il a animé, il a mis des grosses boucles d'oreilles. Vous vous rappelez? Il avait mis des clés anglaises en guise. Et il a dit aux téléspectateurs, et moi, je prenais ça au sérieux, frottez-vous contre vos téléviseurs. Je me rappelle que j'interviewais tous les groupes rock avec des gros cheveux longs. Et vous savez que Claude était un précurseur du monde underground, du monde alternatif, puis il me regardait. Il se foutait de ma gueule constamment, mais Claude est un gars extrêmement ordonné. Moi, c'était le bordel absolu. Et j'ai toujours trouvé. Non, pas autant que Sonia, par exemple. Non, mais j'ai toujours trouvé Claude extraordinaire pour sa ténacité.
C'est un gars de tenace, c'est un gars qui n'a jamais laissé tomber, c'est un gars qui a tout le temps gardé le même rythme de travail, et ça, c'est admirable. Vous savez, Claude Rajotte, c'est un gars qui fait tellement de télévision que le soir, quand il rentre chez lui à la maison, il se regarde dans le miroir et il se dit « Est-ce que je suis live ou en reprise? » Ça, c'est vrai. Quasiment, oui. Bonsoir, Paul Beauregard. Comment vas-tu? Ça va bien, Geneviève. Claude Rajotte, j'ai travaillé avec lui à Chaume pendant plusieurs années. Je travaille encore avec lui. Quand Claude, t'as oublié tes papiers à rouler l'autre fois? C'est la bonne marque, moi, c'est du Claire. Claude Rajotte à Chaume, c'était un trademark. C'était « Good evening, I'm Claude Rajotte, and you're not. » Absolument, ben oui, absolument. Puis en passant, Claude, Chris Michaels a laissé un sac de chips pour toi dans ton banc à chambre, il t'attend. Écrasé, oui, merveilleux. Merci beaucoup. Bon anniversaire, Claude. Ce que j'aime avec Claude Rajotte, c'est quand tu vas chez lui, puis là, il dit « Ah, j'ai des affaires à te faire écouter. » Tu sais, d'habitude, quand t'es dans ton salon, t'écoutes le disque, puis tu parles, mais là, Claude, il reste debout, à côté de son lecteur de disque, et puis là, il fait « Skip, 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 skip. » Là, ben, oups, le disque est sorti, là, t'as un autre disque, skip, skip, skip. Là, faut que tu prennes des notes en tamarnouche dans ça, là. Comme ça. Non, faut apprendre. Ah, oui, mais j'apprends. J'ai appris. Un calepin. Apprenez. Ah, oui, j'apporte mon calepin quand je vais chez Claude. T'as acheté la collection Barry Adamson, c'est ça que t'avais j'ai pas découvert la dernière fois que t'étais venu chez moi. Oui, c'est ça. Et puis, je me suis ouvert les veines quelques fois après ça. Très, très bon. Belle musique, tu vas voir. Il y a une autre ancienne VJ de Musique Plus qui ne peut pas être avec nous ce soir. Qui a quand même tenu, parce que t'aimes beaucoup, comme nous tous, a tenu à te dire un petit mot. La voici. Mon cher Rajotte, oui, c'est à ton tour de te laisser. Désolée de ne pas pouvoir être là aujourd'hui pour ton 25e anniversaire de carrière. Je voulais tout simplement te féliciter puis te dire à quel point, et je ne parle pas seulement à mon nom, je pense que je m'exprime au nom de tous les VJ et tous les gens qui ont travaillé avec toi à Musique Plus. C'est un bonheur de travailler à tes côtés et on apprend beaucoup. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, je pense que pendant ton spécial de 2 heures, le public va enfin savoir vraiment qui est le vrai Claude Rajotte, connaître toutes ses petites habitudes de vie et enfin savoir à quel point c'est un malade mental. Bonne fête, Claude, je t'embrasse, puis bonne fête encore, amuse-toi bien. Ben merci, Véro. Elle a mis le doigt sur le bobo, elle. Oui, c'est ça. Ben, on va apprendre à te découvrir encore plus tout au long de l'émission. Alors, on va voir si c'est vrai. Hein? OK, on va le découvrir plus tard. Alors, j'ai ton poudreau préféré ici, oui, à mes côtés. Marc Ouateux. Marc, comment est-ce que tu as fait la connaissance de Claude Rajotte, toi? Mais curieusement, ça n'a pas été la première vision de Claude Rajotte que j'ai eue. Ça n'a pas été à Musique Plus. C'était au début des années 80. J'étais allé voir un spectacle au Spectrum. Et Claude faisait la présentation de ce spectacle. Je m'en souviens même plus, moi. Et moi, ça m'étonne même pas. Vous croyez que Claude Rajotte a eu toujours ce look-là? Vous vous trompez, vous avez peut-être pu voir des photos d'ailleurs. Claude Rajotte, je le connaissais de manière auditive. J'entendais sa voix à la radio, mais évidemment, tu sais pas c'est qui. Et ça a été pour moi, Claude Rajotte, le premier flash d'une personnalité médiatique que j'ai vue pour de vrai sur scène. Il arrive pour présenter le spectacle. Je sais même pas ce qu'il a dit. J'ai juste vu une espèce de grand zig avec des cheveux très, très longs sur la tête, mais qui arrêtait ici. Alors, ça m'a beaucoup impressionné. Et plusieurs années plus tard, j'arrive à Musique Plus. Ça a été le premier, d'ailleurs, qui me souhaitait la bienvenue. Mais je suis resté avec cette image-là complètement impérissable de Claude Rajotte. Nathalie, ma belle, toi, qu'est-ce que tu gardes de Claude? Moi, Claude, ça a toujours été le lien. Ça a été le lien quand j'ai commencé à travailler comme VJ parce que je ne savais pas de quoi je parlais. Je ne connaissais pas la musique et Claude connaissait la musique. Alors, il était le lien entre mon début et le monde de l'industrie du disque, le monde de la musique, l'histoire de la musique. Et c'était une ressource incroyable. Quand je n'avais pas le temps de faire de la recherche, parce qu'on travaillait beaucoup, beaucoup dans ce salon, on avait beaucoup de choses sur notre plateau. On n'avait pas l'Internet non plus. On n'avait pas l'Internet. On faisait nos recherches nous-mêmes. Claude, c'était l'encyclopédie. Je peux toujours dire, Claude, en quelle année telle chose? J'étais l'Internet. C'est ça. 1977, pas de problème. Alors, Claude, c'était le lien sur l'histoire de la musique. C'était le lien qui m'a permis de faire mon travail. C'était le lien pour savoir qu'est-ce qu'il fallait écouter, qu'est-ce qui était nouveau qui sortait. Claude le savait. C'était le lien vers l'avant-garde et tout ça. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est le lien parce que c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble, les VJ, depuis des années. Et encore une fois, Claude Rajotte, c'est le lien. Hey, j'ai un aveu vite à faire. J'ai toujours été Merci amoureuse Nathalie. De Claude Rajotte. Oh! Hey, embrassez-vous. Moi aussi. Embrassez-vous. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là ce soir. Ça fait plaisir à Claude, bien sûr. Et comme vous... Ben, il liche la face, c'est dégueulasse. Comme vous le savez, c'est pas toujours facile de faire des entrevues et des fois même les artistes se paient notre tête. Uh-oh. Et Claude, il a connu ça à travers les années. Alors regardez ce qui se passe quand on fait des entrevues en direct et qu'on n'a pas toujours le contrôle.
ici Claude Rajot, en compagnie de Django Edwards. Je pense qu'elle comprend pas, parce qu'ils comprennent à peu près pas le français ni l'anglais, d'ailleurs. Soit dit en passant, elle m'a dit oui trois fois. I don't understand the question, Claude. C'est comme ça, la 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 la. OK. Also, Nick, welcome back. Shit, Tim! Tell them what I said in French and let's do another song. OK. Il dit, ferme-la donc et on va jouer un autre tonne, OK? Et si vous en voulez, c'est un présentateur qui a un regard intéressant et un physique plutôt séduisant. Qui lui en veut 36-15, voilà, c'est Claude. It's you I love. Oh! You were raped? Everyone I know is has been raped. Art a commencé à fumer de la marijuana il y avait à peu près 9 ans. Il a commencé aussi à faire de l'héroïne aux alentours de 12 ans. Son frère est décédé d'une overdose d'héroïne à cet âge. C'est leur troisième album, ça dit en passant. Le premier est très stupide, le deuxième un peu moins. Celui-là, c'est du stupide un peu plus intelligent, si vous voulez. Yeah, maybe it's better... Je pense qu'ils ne font pas d'entrevue trop souvent, eux autres. Oh, excuse me, sorry. No problem. Alors, on est en direct, hein? On est en direct à la télévision. Comment ça se... Oui, on est en direct. Help! Help! Si tu penses que tu vas utiliser notre musique sur vraiment ce genre de vidange sonore que nous te propose, ça ne fonctionne pas. I love you. You don't hesitate singing about your relationships with men, but mostly women, too. Mm-hmm. OK. In the first song, you say you put a hole in the shower to look at other girls. That's what it says. OK. OK. On aura tout vu à Musique Plus. Tu t'en vas, tu resteras avec moi. Attention. Okay, non, je peux rester si tu veux. C'est pour toi que je chante et tu casses mes têtes dures. Je serai toujours Claude avec toi. Mais qu'est-ce que t'as? Là où tu t'en vas et moi je gueule, vas-y. Okay, okay. Reviens, reviens, reviens-moi, reviens-moi, vite. Ah! Et ça ne l'a pas du tout dérangé, vous voyez qu'il est tout à fait normal. Je te porterai dans mon cœur un souvenir ému à chaque fois, je penserai à toi. Thank you, Music Plus. Salut. Merci beaucoup. Sayonara. Sayonara, c'est sayonara, c'est saké. Bon, alors c'est tout, c'est fini l'émission. Super, Musique Plus, vous étiez en direct avec ce soir Claude. Mon cher Rajo, c'est à ton tour de te laisser. Assez! Ben, c'est pas bon, mais pour les marques, donc... Hey, hey, hey. Oh, fuck a cab. Maudit vidéo clip. I'd say some this. Rajot, 25 ans de show business. Je me souviens quand il a commencé dans le show business, mon beau frisé favori. Moi, je fêtais mes 40 ans de show business. Écoute, ça fait tellement longtemps tout ça. Et dans ce temps-là, la mère morte était même pas encore malade. Tellement ça fait longtemps. Écoute, il faut que je te donne une cote. Je vais être très délicat avec toi parce que je me souviens que pour Écoute pas ça, tu m'avais donné 10 sur 10. Hein. Ça, je m'en souviendrai toujours. J'espère que pour le dernier, par exemple, tu ne me mettras pas dans le cimetière décédé. Mais vu que tu m'as pas encore noté, alors moi, personnellement, moi, rajoute à toi, là, je te donne 12 sur 10, mon garçon. 12 sur 10. D'abord, d'avoir te fait si longtemps à Musique Plus. Salut. Je te souhaite vraiment un 25e anniversaire que tu mérites, c'est-à-dire joli, grand et chaud. Salut. Alors, comme ça fait 25 ans que Claude Rajot fait ce qu'il fait. Claude, je vais te donner une note. En fait, je vais donner avant tout une note au public. Je vais donner 10 sur 10 au public pour t'avoir enduré pendant 25 ans.
et à toi-même personnellement, je vais te donner un 9,5 sur 10 pour ta coupe de cheveux. Ça, vraiment, c'est réussi. Tu la portes très, très bien. C'est sûr que ça me bogue un peu que tu m'aies volé l'idée d'être chauve. Ça, qu'est-ce que tu veux? Bon, tu as essayé de te rattraper en faisant des excellentes critiques de mes albums. Je te pardonne. Je te donne un 9,5. Tu la portes très bien, même si c'est sûr que c'est de moi que vient ton inspiration. Alors, Claude, je te souhaite un autre 25 ans aussi intense et aussi chauve. Alors, selon Michel Rivard, c'est lui ton inspiration pour ta coupe de cheveux. C'est bien, Michel Rivard, Jean-Pierre Ferland. Oui, hein? C'est plusieurs artistes bon. Que tu aimes bien. C'est bon, vous n'avez pas Pierre Bélan, il n'était pas disponible, Pierre, non? Non, il était très, très occupé. Il faisait son lavage. Malheureusement, elle ne peut pas être là. Il y a des fans de toi qui sont à tes côtés. Salut, comment tu t'appelles? Salut, Patrick. Patrick a une question pour toi, Claude. Vas-y. Envoyez fort. Les conseils musicaux, c'est grâce à vous autres que je connais des artistes comme Marchiba et Underworld. OK. Je me dis une question, ça fait 25 ans, puis s'il y a quelque chose que vous regrettez ou bien non, aimeriez faire de nouveau ou bien non, changer dans ces 25 ans, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Changer? Pas grand-chose à changer parce que je vis comme un rêve, tu sais, alors ça peut pas... C'est, ce que je vis, c'est au-delà de ce que j'espérais quand j'étais plus jeune. Si jamais je croyais qu'un jour je ferais de la télévision, que j'en ferais pendant 25 ans de temps, donc je sais pas, peut-être je me ferais greffer des cheveux ou sera au niveau esthétique ou je sais pas. Non, je recommencerais rien. Peut-être revenir dans le passé. Peut-être que c'est, j'aurais aimé ça peut-être venir au monde en 1945, 10 ans avant pour plus vivre les années 60 parce que j'étais oui. à Notre-Dame-du-Mont-Conseil, cette immense municipalité dont vous avez entendu parler tantôt. Donc, ça a comme fait passer vague un peu les années 60 dans ce coin-là. Ouais, ouais. Salut, comment tu t'appelles? Salut, mon nom c'est Tony. Salut Tony. Quelle est ta question? Félicitations pour ton émission La Coupe. Merci. Je voudrais savoir, j'ai appris dernièrement que dans les journaux que tu vas faire un voyage comme en Angleterre à Londres. Je voudrais savoir, si, en revenant de ton voyage, est-ce que c'est un avantage pour ton émission La Coupe? C'est que tu vas rechercher plus d'informations. Non, ben en Angleterre, en fait, c'est plus pour mon émission de Radio Rage parce que j'achète des disques. Donc, ça me donne pas grand-chose. Ben, évidemment, ça sert ici parce qu'à un moment donné, tu sais, ça me permet de connaître un groupe dont on va recevoir le vidéo, genre 6 mois plus tard. Puis là, quand je vois le nom, parce que personne ne le connaît, ben moi, je le connais déjà, ce groupe-là. Donc, mais c'est l'Angleterre, ce que j'ai beaucoup aimé, j'y étais juste 2 fois, mais c'est moi, étant un maniaque de musique, c'est un pays qui respire la musique, l'Angleterre, que t'ailles absolument n'importe où. Aussi, les Britanniques sont des gens sympathiques, courtois, agréables. Ça se rapproche plus aussi de notre tempérament nord-américain ici que peut-être la France, parce que les Français sont un peu chiants en surface. Il faut juste gratter un peu, puis ils sont bien gentils, par exemple, mais il faut juste prendre le temps de gratter pour la couche. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question Internet pour toi. Oui. Une personne qui te vouvoie même, c'est Stéphanie de Chicoutimi. On vous appelle un critique de musique, mais j'aimerais savoir à quel point les paroles d'une chanson sont importantes pour vous. Les paroles d'une chanson. Alors, ça va sembler assez étrange ce que je vais dire, mais je n'accorde pas vraiment d'importance. Il y en a de l'importance, les paroles, c'est sûr et certain. Mais moi, il y a quelques paroliers. J'aime beaucoup ce que Jean Leloup raconte, Jean-Pierre Ferland aussi, Claude Péloquin, quand il faisait des textes, il en a fait pour Charlevoix, etc. Gainsbourg est un grand parolier. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vient me rejoindre, puis leur trip personnel, des fois, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la voix, c'est comme un autre instrument, carrément. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est la musique. S'il n'y avait pas de musique, ben ça serait juste la poésie, un point, c'est tout. Ouais. Peut-être que je suis moins un amateur de poésie, en fin de compte. C'est plus les sons qui me font triper que l'imaginaire, tu sais. Je ne lis pas non plus. C'est pas quelque chose qu'on m'a inculqué quand j'étais jeune, la lecture. Pour moi, c'est pénible de lire. Je lis. Encore aujourd'hui. Oui, mais j'aimerais ça. J'enregistrais des émissions de littérature à Radio-Canada, à Télé-Québec, parce que les gens semblaient être passionnés par ça. J'aime les gens passionnés.
Mais ça me... Tu sais, j'ai lu la biographie de Led Zeppelin, John Lennon, tu sais, je lis un peu quand même. Mais t'achètes pas les romans. Mais non, ça ne me dit vraiment rien. Ça doit être pour ça que j'ai lu le film qui a gagné aux Oscars, d'ailleurs, Shakespeare in Love, tu sais. Ah! Parce que ça me dit absolument rien. C'est romanesque, à l'eau de rose. Faut avoir pris je sais pas quoi exactement. Pas ta tasse de thé. Non, c'est ça. Donc, pour revenir au texte, non, je n'écoute pas beaucoup les textes. Encore une fois, j'essayais de... Il y a les textes de récemment, Brad Roberts, des Crash Test Dummies. Ouais. J'aime bien ce qu'il écrit quand même. Mm-hmm. J'aime l'humour. Okay. C'était long hein, comme réponse. Ah, c'est correct. On continue à interagir avec les fans. Il y a Chantal qui est au téléphone. Chantal, quelle est ta question pour Claude Rajotte? OK, bien, ma question, c'est s'il y a un Destroy que tu regrettes beaucoup, si tu n'en regrettes pas, ben, je voulais savoir si c'est le plus gros comeback que tu as eu dans le sens que la personne elle l'a vraiment mal pris. Je n'ai jamais eu... Bonjour, en passant. Bonjour. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais eu de comeback, moi. Des fois, ils vont parler à mes patrons, par exemple, mais les patrons m'en parlent pas. Donc, moi, j'ai pas de problème. Moi, je peux flusher, smasher qui je veux. De toute façon, les Destroy, faut pas que ce soit pris au premier degré. C'est une farce. Donc, je sais qu'il y a une compagnie de disques, à un moment donné, qui avait pas aimé parce que j'avais pris le CD. C'est une chanteuse, une adolescente, une Française. Et j'avais lancé son CD dans un camion à vidange, dans une benne. Pas n'importe quel camion de vidange, un camion de vidange de Westmount, s'il vous plaît. C'était des vidanges de luxe. Et c'était beau de voir le CD se faire ramasser par la benne et le jus de vidange qui coulait alentour du CD. Mais c'est une farce, faut en revenir à un moment donné. Mais là, il y en a qui prennent ça au sérieux. Un rajout, t'aimes pas ça? Où j'avais fait une brochette avec des albums de Ride Said Fred à la compagnie de 10 et on dit hey, Rajotte, il a détruit 6 albums de Ride Said Fred. J'ai pris des faux CD. Allô? Réveillez-vous! Alors non, j'ai jamais eu de comeback où moi je ne regrette pas d'avoir détruit NSYNC ou Backstreet Boys ou Gloria Estefan ou Mariah Carey, ma préférée, qui avait l'air je ne sais pas trop quoi, la soirée des Oscars, là, vraiment. La personne qui a ajusté sa gaine était probablement Stevie Wonder. Ou Ray Charles. Chacun, Ray Charles. Un en avant, l'autre en arrière. Voilà. Merci, Claude. Merci beaucoup. Plaisir. Écoute, on a une surprise pour toi. Oui? C'est une soirée de surprises. Allons-y. Une jeune demoiselle qui est ici pour toi. Tu lui as déjà donné 10 sur 10. Et c'était pas parce que tu la trouvais jolie, quoique c'est une très jolie fille. On a le plaisir d'accueillir ce soir France d'amour. France! Qui est avec nous. Où est France? Salut, France! France! Viens nous voir. Équipée de sa guitare. Alors, France est une de tes préférées. Et puis, elle a accepté de venir faire un petit tour ce soir. Il faut que tu saches aussi, Claude, que c'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Donc, elle va passer son anniversaire avec toi ce soir. Bonne fête. Écoute, Claude, j'ai écrit une nouvelle chanson. T'as écrit une nouvelle chanson? Oui, j'aimerais savoir ce que t'en penses, parce que... Je veux avoir ton avis si je devrais la mettre sur mon prochain album. OK, d'accord. Okay? Ou ça devrait être caché ou on... Moi, en tout cas, je veux savoir ton avis, ton expertise, d'accord. OK? OK. Alors, je vais venir me brancher. C'est vraiment une primeur. OK? Une primeur. Tu l'as jamais chanté encore nulle part? Jamais. Non? OK. J'écoute. Ça a été écrit, genre, avant-hier. Avant-hier. OK? J'ai pas de titre non plus. On va en trouver un, moi. Mais bon. On va t'en trouver un. OK, attention. Je peux chanter en attendant, si tu veux. OK, attention. Je ne voudrais pas vider la place. OK. Il connaît tout de la musique. À chaque semaine, il la critique. Au rock psychédélique. Mais Gloria Estefan y est allergique. Il a déjà une longue carrière, beaucoup plus longue que sa crinière. Mais je m'inquiète de ses affaires. L'autre jour je l'ai vu au cimetière. Il est comme il est, beaucoup de front, pis pas tout père. Incroyable, tout ce qu'il connaît, des Beatles au baronnet. Un
les jours s'il devait faire un choix parmi toutes les choses qu'il a. Je connais sa réponse, je crois. Radiohead ou bien son chat. On peut l'entendre à la radio. Il présente même des vidéos. Mais la télé, c'est pas nouveau. J'ai déjà vu avec Rain Malo. Pas tout bête, incroyable, tout ce qu'il connaît, des Beatles au baronnet. Il critique depuis 25 ans, impitoyable, mais toujours franc. Quand il aime pas, il nous descend. Parlez-en à Lara Fabian. Il est comme il est. Beaucoup de francs, puis pas tout paix. Incroyable, tout ce qu'il connaît. Des Beatles au baronnet. À la musique, il donne une note. Et de vous tous, il reçoit la. On l'aime comme il est. Entrevue de fond et anecdote, c'est qui le top, le gars le plus haut. C'est Claude Rajot. Bonne fête, Claude. Merci, France. Merci beaucoup. Restez avec nous après la pause. L'émission C'est à ton tour, Rajot se poursuit avec d'autres surprises. C'est à ton tour de te laisser. Assez long! C'est pas bon, mais pour les mains. Oh, ouais. Pocket Hab! Maudit vidéo clip 25 sur 10! Un matin, j'écoute mes disques. Et ce matin, c'est le Low Fidelity All-Star. Ça, c'était la première pochette pour Linda Lemay, mais finalement, ça a été rejeté, je sais pas pourquoi. Sphinx, va chercher mon journal, là. OK? C'est vraiment ma pile de disques qui sert pour mon émission de radio. Ça, c'est cimetière des CD, nouveauté, mais c'est le début de l'année. C'est bien tranquille. Là, j'essaie de trouver le mix parfait. Des fois, ça peut me prendre jusqu'à 20 minutes pour trouver la bonne toune. Ça. Et ce sera pas celle-là. Thanks, thanks. Bonne journée, là. Amuse-toi bien, hein? Bye-bye. We'll be right back.
Claude Rajotte, bienvenue au cimetière décédé. Boris de Grimmskank est mon invité. De tequila à chaque jour. Mmh. C'est beau, c'est bon pour le cœur. J'en ai pas, ça donne rien. C'est beau. Ah ouais, je suis pas mal. Ça fait de la très bonne tisane. Friday night, welcome to Rage. I'm Claude Rajat. The Offspring, she's got issues. Je vous ai assez vu. Dehors! Destroy! Oh, vous m'avez échappé. Et voilà! C'était marrant, j'avais. Yeah. Oh. Tom. Sorry. Okay. Okay. No sorry. Problem. Yeah. Okay. All right. All right. All right.
Ben, t'es plus jeune, là, il faut commencer à penser. Ben, tu sais, à 65, mais quand même, tu sais, je m'en vais faire remonter bientôt. Oui, 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 non, c'est très réussi, là. C'est, esthétiquement, ça va bien. Quand j'ai écouté la chanson, j'ai dit, je connais ça. Oui. J'ai trouvé l'original, mais j'ai pas vu. Il n'y a pas de crédit donné à l'original. On va faire entendre aux gens ta chanson suivie de l'original. Allez-y. Pour laquelle il n'y a pas de crédit. Maintenant, okay. L'original de Pérez Prado. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas de crédit pour... Tap! Méchante! Méchante! On ne sent pas de studio du tout. On ne sent rien, en fait. J'ai beau sentir le disque, on ne sent rien, mais... Hein, on ne sent rien. Mais c'est vrai, j'ai l'air un peu, fait que j'ai de la misère à sentir. Là où tu sais que tu as toujours été pour moi une référence musicale, merci, je tenais beaucoup à te le dire publiquement parce qu'à d'accord, chaque fois que tu fait conseilles un disque, je l'achète pas. Bonsoir. Est-ce que Claude Rajotte est un extraterrestre? C'est la question que pose l'auteur à succès Ken Dunham dans son dernier ouvrage, Rajotte Phone Home. Une enquête échelonnée sur 25 ans qui nous apprend des faits inusités sur la vie de cet animateur. Oui, je crois fermement que Claude Rajotte est en réalité un extraterrestre. Il a été envoyé sur la Terre pour une raison bien spéciale. Mais séduit par toutes sortes de drogues, comme la marijuana et quelques hallucinogènes très forts, il a oublié la raison de sa présence sur Terre et les coordonnées de sa planète en même temps. C'est pourquoi il ne peut retourner chez lui. Perdu, errant sur une planète inconnue, Claude trouve refuge au sein d'une secte habitée par différents hurluberlus, responsable de son addiction à la drogue. L'un d'eux se souvient très bien de Claude. Je ne pourrais pas dire si Claude a subi une lobotomie, a été enlevé et remplacé par une autre personne, ou s'il est tombé dans une quantité de psychotropes à usage restreint. Honnêtement, je pourrais pas. Je sais qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il y a une transformation et depuis ce temps-là, Claude Rajotte est définitivement quelqu'un de particulier. En 1976, Claude était animateur dans une station de radio d'Ottawa. Bonjour. Mon nom est Claude Rajotte. On vient d'entendre une pièce du groupe Dysfunctional Giant Anus. Ça sonne le cul comme album, mais les chansons sont excellentes. Maintenant, une pièce du groupe Skinny Puppy, dont je vous ai fait entendre l'extrait la semaine dernière. Ça s'appelle Don't Eat My Shit. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dans cette station de radio et ils m'ont tous affirmé que Claude se faufilait à l'intérieur pendant la nuit pour essayer d'envoyer des messages à sa planète par le truchement de l'émetteur radio. Malheureusement, il semble que les messages de Claude n'ont pas rejoint ceux à qui ils étaient destinés. Je sais qu'un soir, il était en onde à CGRC à Ottawa et il s'est embarré pour aller fumer une cigarette à l'extérieur. Il est arrivé ce qui devait arriver, la porte s'est refermée et le disque s'est terminé. Il a été obligé de briser la fenêtre pour rentrer dans le studio. Par la suite, le lendemain,
expliquer à son patron pourquoi la fenêtre était brisée. Toujours selon Kendallham, Claude avait le pouvoir de se téléporter à l'intérieur. Ce qu'il fit d'ailleurs. Mais se rappela que des passants l'avaient vu à l'extérieur du bâtiment. Il décida de briser la vitre quand même. Question de détourner les soupçons. Les nombreuses tentatives de Claude pour rejoindre sa planète natale via l'émetteur radio ont échoué. Mais, selon le responsable de l'enquête, Claude, même aujourd'hui, persiste avec l'aide de l'émetteur de Musique Plus et tente de rétablir le contact. Oui, plusieurs années de recherche m'ont permis d'en arriver à cette conclusion. J'ai pris toutes les cotes rajotes du cimetière décédé. Et bien que ce ne soit pas encore complet, ça ressemble terriblement à un numéro très précis représentant la position de Claude dans l'univers. C'est un message pour sa planète. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vraiment pensé des albums. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont eu une mauvaise note, mais pour ceux qui ont eu un 10 ou quelque chose du genre, eh bien, ça veut peut-être dire que votre album est pourri et vous ne le savez même pas. Si vous avez des informations pouvant faire la lumière sur l'énigme, Claude Rajotte, est-il un extraterrestre? N'hésitez pas à communiquer avec nous. Composez le numéro en bas de l'écran. Au nom de toute l'équipe. Bon 25 ans de carrière. Hey, hey, hey. Oh, pas capable. Maudit vidéo clip. Hey, 5 sur 10. Ah! Peu d'animateurs du petit écran peuvent se vanter d'avoir influencé la mode québécoise comme Claude Rajotte. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Depuis à peu près 12 ans, il met les spectateurs de Musique Plus au défi. L'avez-vous déjà vu deux fois avec la même chemise sur le dos? Est-ce que tu portes les mêmes vêtements des fois? Ça arrive, mais la rotation passe peut-être deux mois avant qu'on revoie la même chemise. Des fois, ça peut prendre jusqu'à deux ans dans ma rotation très basse. Les petites filles coquettes, elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. J'ai entendu parler d'un système de fiches. Depuis que je suis à Musique Plus, qu'on me parle de ça, ça veut dire depuis à peu près 5 ans. Puis, ça, bon, pour moi, c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est, ton système de fiches par rapport à tes vêtements? Alors, dans mon souci de ne pas répéter trop souvent les mêmes pièces, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire la télévision, il y a 20 à peu près. Donc, j'ai commencé à inventer un système de fiches. C'est-à-dire que chaque pièce de vêtement que j'ai, je lui donne un nom. Et puis après ça, j'indique, supposons qu'on prend ma chemise blanche 300, qui est le prix. C'est pas parce que je marque le prix sur tous mes vêtements, mais celle-là m'a coûté 300. Puis j'ai fait, tu vois, je l'ai depuis... tu sais, j'ai commencé avec les MTV Awards. Je me souviens plus quelle année, là. En tout cas, ça fait très, très longtemps. Puis je marque aussi les entrevues que j'ai faites. J'ai rencontré Plume avec cette chemise-là. T'sais? Puis j'ai fait quoi? Laurence Albert, j'ai déjà rencontré aussi. Fait que je m'arrange quand je rencontre l'artiste de ne pas remettre le même morceau quand même. Donc, j'ai la rotation légère, j'ai des rotations plus élevées ici. Ça, c'est les... Et j'ai des aussi, j'ai une rotation, excuse-moi, ici. J'ai la rotation d'été. J'ai une rotation d'été, j'ai une rotation...
fabrication aussi très, très lente. T'sais, c'est des chemises qui peuvent revenir là, aux deux ans. T'sais, si on prend ma chemise western, genre, t'sais, la dernière fois je l'ai mis, c'était en février 99. C'est récemment. Oui, et puis c'est ça, les gens, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas mis, qu'il a dit, wow, t'as une belle chemise aujourd'hui, t'sais. Mais ça fait deux ans que je ne l'ai pas mis, puis c'est une vieille maudite chemise, t'sais, je veux dire, février 87. Okay. Hein, tu vois. On peut dire que ton style, ça s'agit aussi en vieillissant? Oui, ça s'agit. Ben, tu sais, ben, c'est sûr que je peux pas avoir l'air d'un rapper de 18 ans. Là. Moi, à un moment donné, c'est ça qu'il faut réaliser. Comme Patrick Marcellet. Peut-être. Non, ça y va bien quand même. C'est correct. Chacun ses problèmes dans la vie. Hein. Prendre ou perdre quelques kilos. Est-ce que tu écoutes quand même notre émission D une fois de temps en temps? Jamais. C'est excellent. J'aime beaucoup ça. Ouais. Merci. De l'image, la laisse dans le stress. Alors, vous connaissez plusieurs secrets de Claude Rajotte, même l'organisation de sa garde-robe, c'est intense, c'est vraiment la grande organisation. Mais moi, tu sais ça, je peux tomber aveugle demain matin et je vais retrouver ma place très, très bien, tu sais, tout dans la maison. Ben, je suis comme ça, hein, je veux dire, ça finit là. Hein, ça, est-ce j'ai que pas c'est... étudié mon cas, je suis au monde de même. Mais est-ce que cette organisation-là, peut-être pas la garde-robe, mais tu sais, tout ton horaire et toute cette organisation-là que tu as, est-ce qu'elle te semble nécessaire pour bien faire ton travail? Je sais pas, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours été comme ça. Oui, c'est ça. Donc, je planifie beaucoup, beaucoup. Ouais, est-ce que c'était difficile pour toi de savoir comment tu allais t'habiller ce soir? Non, je savais déjà. J'y avais pensé depuis quelques temps quand même. Ouais. Hein? Bon, ben non, j'avais figuré comment ma mère aurait bien aimé que je mette un habit. J'en mets pas d'habit, maman. Mais ça te fait bien, les lunettes, par exemple. Oui, oui. Non, mais il y a quelques habits que j'ai mis quand même, mais je suis pas vraiment amateur d'habits. Dans le reportage qu'on a vu, on a eu l'impression quasiment que ton travail et ta vie, c'est interrelié. Mais mon travail, c'est ma vie. Ton travail, c'est ta vie. Absolument, c'est carrément oui, ça. Oui, oui, absolument. Mais c'est parfait comme ça. Moi, j'ai décidé de faire une vie différente. En fait, c'est comme ça que la vie m'a mené. Hein. Et j'avais pas le goût de aller au chalet avec ma famille, changer les couches la fin de semaine. Ça ne me disait absolument rien. Donc, ça te rend parfaitement heureux, ce métier-là? Ah, très, très, absolument. Oui, oui. Non, c'est vraiment le bonheur. Quand j'écoute la musique, ça se passe, je sais pas, dans la tête. Il y a beaucoup de place ici, là. Et je sais pas, ça me procure de la joie, de la musique. C'est un sentiment de bien-être. On a un petit visiteur, là. Ben oui. Un, deux, tests, ça marche-tu? Ouais. Salut, Paul. Un revenant, tu sais. Ben moi, ce dont je me rappelle de Claude, c'est, bon, ça fait peut-être 12 ans que je suis arrivé à Montréal, et j'ai vu souvent des gens, pas parce qu'ils étaient mauvais ou parce qu'ils étaient cheap, mais ils ont changé leur fusil d'épaule à plusieurs reprises, tu sais. Okay. Et on souvent tourné le dos à des gens assez rapidement à qui... Tu sais, du niaisage, quoi. Ouais, ouais. Et j'ai toujours vu Claude comme étant très intègre. Ah, mais il est fidèle en amitié, alors, hein? Tu veux dire, genre, du niaisage showbiz, là? Genre, oui. Ah, ouais, 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 ouais. Oh, wow, ça me fait donc plaisir de te voir. Faudrait bien aller souper ensemble. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein? T'es pas hypocrite. Non. T'es très fidèle en amitié, puis on l'a vu avec, oui. Avec tes amis. Ah, je suis quelqu'un de très fidèle, oui. Et en ce moment, bon, t'habites tout seul. Est-ce que tu serais capable, aujourd'hui, là, d'habiter un peu comme avec des colocs, comme à l'époque, ou d'avoir plein de gens probablement. Oui, non, j'ai un grand pouvoir d'adaptation quand ouais. même. Quand on n'a pas le choix trop, je m'habitue, je m'acclimate, je m'accommode de ce que j'ai. Je me crée mon univers probablement. C'est toujours ce que j'ai fait. Étant fils unique, que je m'étais créé mon univers. Donc, je peux créer ma bulle un peu partout. Hein. Dans le premier reportage qu'on avait vu, tu disais que ta mère disait que tu enregistrais plein d'affaires quand tu étais petit. C'est quoi les cassettes que tu faisais, les trucs que tu enregistrais quand tu étais petit? Ben, j'ai eu un vrai magnétophone avec ruban de 3 pouces. Je pense que j'avais 5 ans. C'est avant que j'aie une table tournante qu'on appelait un pick-up à l'époque. Et j'enregistrais moi, les gens qui parlaient alentour. À un moment donné, ben, j'ai découvert qu'il y avait de la musique à la télévision. Je mettais le micro vis-à-vis la télé, puis j'enregistrais ce qu'il y avait à la télé. Et j'ai toujours enregistré. Je passais, je ne sais pas, 8 heures par jour à écouter Chaume FM pour écouter des nouvelles chansons, pour tout apprendre. J'enregistrais, tu sais, je pouvais passer 4 heures à attendre une chanson. Je suis certain qu'il y a des gens qui font ça encore. Tu sais, quand je fais de la radio, j'essaie de toujours... C'est pas pareil comme la télévision, puis la radio, j'essaie de m'imaginer les gens qui sont à l'autre bout, tu sais. Je sais qu'ils sont là, là. Ouais, je sens des vibrations. Alors, l'émission pour célébrer tes 25 ans achève. Mais au retour de la pause, on a encore une belle surprise pour toi. Alors, reste avec nous. L'émission, c'est à ton retour. Rajotte se poursuit après la pause. Merci, Paul.
Salut, j'aimerais te féliciter pour cette belle et longue carrière. J'avais 14-15 ans, puis j'écoutais religieusement ton choix radio. Donc, félicitations à l'Encyclopédie musicale du Québec. Un gros 10 sur 10, puis lâche pas ta belle job. À Claude, ce grand-père du rock. Moi, Claude, tu sais que je t'aime beaucoup. Donc, je te donne un 10 sur 10 pour le plaisir que j'ai à te regarder, à t'écouter faire tes calls de critiques. 10 sur 10 pour tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas. Merci. Moi, Claude, je te donne un 8 sur 10 parce que tu es quelqu'un qui a une culture musicale, tu es une vraie bibliothèque. Je l'ai même déjà un petit peu après mes dépens. Je suis ravi qu'il y ait des gens comme toi. Le 2 sur 10 que j'enlève, c'est pour ton accent quand tu parles anglais à Chaume. C'est épouvantable. On dirait Julie Schneider qui chante. Moi, j'ai un accent, toi, t'es pieds comme moi. Ça mérite juste le 2. Le 8, je te le laisse, tu le mérites. Bon 25e, puis fais-en 25 autres à cette heure. Fait que là, il faut coter Claude Rajotte. D'abord. Je donnerais à peu près, bon, disons, 9 sur 10. 9 sur 10, pas pire. Il ne s'est pas trompé souvent. Dernièrement, il s'est peut-être trompé un peu, mais quand même, on respecte son opinion. C'est un gars comme les autres. Alors, mais bon 25 ans, Claude. Bye. Bon 25 ans de carrière. Bon 25 ans de carrière. Bon 25 ans, mon cher Claude. Président. Bon 25 ans de carrière. Puis peut-être 25 autres, on sait pas. Hein? Mon cher Rajotte, c'est à ton tour de te laisser. Assez! Ah, c'est pas bon, mais pour les matchs. Hey, yeah! Oh, what? Fuck, maudit vidéo clip, 25 sur 10! Ton note sur 10, 1 à 10, je te donne 11. Bravo, puis je t'embrasse. Salut. Bon, Claude, tu sais que travailler, c'est trop dur. Ça fait 25 ans que tu niaises. C'est le temps que tu trouves un vrai job. Mais sérieusement, je souhaite encore un beau 25, 50 000 ans de plus. Bonne chance et bon avenir. Félicitations. Alors Claude, pour tes 25 ans de carrière, comme coach, ça mérite un bon 10 sur 10. On apprécie beaucoup ce que tu fais pour la musique au Québec et puis bonne 25e année. Merci beaucoup. Ton indulgence sera ta récompense. Nous reviendrons quand nous sommes tes fans. Abonne-toi. Bonne note de 5. 5. 5. 5 avec 1 pour la loc. OK, 1 pour la chance. Pour d'autres 25 ans. Ça fait 6. Okoumé te donne 6. Et bon 25 ans de carrière. Pour ton 25e, on a un petit mot à te dire. Ça fait du bien d'avoir enfin un animateur qui prend position, qui n'a pas peur de donner ses opinions, que ce soit bien ou mal. Fait que continue, lâche pas. Bye. 1, 2, 3, 4. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Bonjour Rajotte. Alors Claude est entouré de ses collègues de travail, aussi de gens de la formation de Lily Fatal, aussi Lagamic, Okoumé, Éric Lapointe qui est là, des collègues de travail aussi, et John The Wolf qui est là, qui tenait à être ici ce soir. Bonsoir Jean. Salut. Tu voulais venir faire un tour ce soir pour célébrer avec nous les 25 ans de Claude. Claude, on l'aime. Alors, je t'aime beaucoup aussi. Ouais, vraiment, félicitations. Vraiment, Claude. Claude, il les emmerde de tous. C'est très bien. C'est fantastique, j'aime ça. Moi, je
Non, c'est merveilleux, hein? Je veux dire, tout le monde n'est pas rendu complètement aseptisé, c'est bon, hein? Ah oui, c'est ça. Ah, j'espère, j'espère. Fait que nous allons les rocker solidement jusqu'à temps que les morts s'en suivent. Claude, ben, on peut te donner la parole. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Est-ce que ça t'a fait plaisir ce soir? Non, ben, cette attention? J'étais au courant d'absolument rien, donc c'est sûr que ça fait plaisir. Ça fait étrange aussi de se voir fêter de même. J'ai l'impression de regarder une bien bonne émission de télévision, là, tu sais. Ça a l'air que c'est moi qui ai la vedette de l'émission. Ça fait étrange un peu, mais c'est très agréable jusqu'à maintenant. Si on continue jusqu'à minuit, c'est très fun. Oui, c'est ça. Ouais, bon, okay. On va manger de la bûche. On peut faire oh, de la musique non, aussi. Oui. Hein? On peut faire du... Il y a du monde qui sont capables de faire du freestyle. Il y a toutes sortes d'affaires. Moi, j'en connais un qui s'appelle Jean-Leloup qui serait très bon, me semble, pour faire une bonne petite tour. Non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Non. Vas-y, Jean. Chanson, Jean. Il est parti. Alors, je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup d'être venu faire un tour. Et puis, on va se laisser donc en musique avec Jean Leloup. C'était une émission. Je sais pas vraiment par quel tune commencer. Très spécial pour Claude Rajotte. Merci tout le monde. Quel tune je commence, Claude? Fais une belle conclusion. Qu'est-ce que je commence? Je joue de la musique. Jean Leloup. OK, j'ai fait ça, mais c'est pas fini, ça. Il y a de la trompette, mais là, j'ai pas la trompette. OK, on est prêts? On y soit qui mal y pense, qui manigance. Depuis des jours ou des semaines, les corbeaux qui ont nettoyé les os de mon squelette usé. Les os de mon squelette usé n'ont pas senti de différence avec le corps d'un citoyen de meilleur nom ou renommé. Le saint, le fou, le criminel sont tous égaux, l'homme est mortel. Le saint, le fou, le criminel sont tous égaux, l'homme est mortel. Et le pendu réfléchissait à qui mieux sur les stigmates du destin qui tous nous emporte. La destinée frappe à ta porte et tu lui ouvres naïf, serein. Elle te présente ses deux seins. Et là tu bandes comme un chien. Et là tu bandes comme un chien. Le saint, le fou, le criminel sont tous égaux, l'homme est mortel. Les extraterrestres. Et tout à coup, le pendu mourut. C'était un mort impressionnant sur cette plage en sable blanc. Sur cette plage en sable blanc, un crabe passe et rentre dans le crâne du mort sans testament. Le crâne du mort sans testament. Sauf, je me ferais bien un pétard avant d'aller au firmament. Les extraterrestres, les extraterrestres. On jamme-tu? Et tout à coup, le pendu mourut. C'était un mort impressionnant sur cette plage en sable blanc. Un crabe passe et rentre dans le crâne du mort sans testament.
two, three. Do 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 do. Mais là, il y a des bouts que je serais pas capable de faire. Ma guitare avec cette tune-là, fuck, elle est pas là. Ah, là, là, je suis pas capable de la faire, ok. On va te faire une autre. Faire une autre. Je joue de la guitare. Quoi je joue? Je joue de la guitare. La solitude parfois est immense, tout plutôt que d'être ce passant qui traverse le temps de temps en temps. Alors je pars à la dérive, mon lit est un navire, un atelier où je vais pour l'éternité. Voyageur d'un instant présent, je ne sais pourquoi je suis si triste. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu? Je me sens seul, viens, je viens, tout m'isole. J'aimerais appeler quelqu'un, mais qui Dieu, je me sens seul, viens, je viens, tout m'isole. À quoi je joue? Je joue de la guitare. À quoi je joue? Oh, oh! Je joue de la guitare. Je sens que j'hallucine et j'ai peur de partir comme un fou vers la mort. Et j'ai des grands instants de lucidité. Et j'ai des grands instants de lucidité. Qui m'entoure. Comment faire une telle preuve d'amour, 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 d'amour. Fuck the system, do it, do it. Fuck the system, do it, do it, do it. Yeah, yeah, yeah. Je suis de la guitare. Fuck the system, do it, do it, do it, do it. Yeah. Faisait pas beau dehors and she wasn't a whore. Rêvait de pardonner, cherchait à discuter. Peut-être qu'elle avait le sida, peut-être qu'elle le disait pas. Comme la neige à neiger, ma vitre est un jardin givré. À tout l'ennui que j'ai, que j'ai, que j'ai. À tout l'ennui que j'ai. Pleuré oiseau de février, tous les étangs gisent gelés. Je joue de la guitare. Je joue de la guitare. Dans son silence, un poisson lune, philosophe est au fond des brumes, mais jamais Nemo ne saura les noires pensées du poisson char. Fuck the system, do it. Marc, t'en faire d'autres aussi, là. D'accord? Ok. Ah, check bien ça. Check ça. Elle l'a préparé qu'exhume, ok? Hein? Une église datant du Moyen-Âge, son portail est fermé, longue grille forgée, ornée de pics chrétiens que j'adore grimper, que j'adore grimper. Il y a
L'escalade est bizarre, franchement interdite. Il faut avoir un sac pour le remplir d'objets. Il faut avoir une lampe ou au moins un briquet. La lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la ville. La lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la ville. Puis descendre et faire gaffe, remonter l'autre porte, passer par le vitrail. Il y a une ouverture, prendre appui sur la frise, puis sur la tête de Saint-François d'Assise. Sauter sur le sol, dans le temple de Dieu, tout en pierre résonne à chacun de mes pas. Je risque d'être entendu, mais mère d'un vent malvenu, je m'accroche dessus. C'est un coup de tonnerre, je me sauve en courant, mais nul ne m'a entendu faire le mort. Quelques temps, faire le mort, quelques temps. Et je dis, la lune est formidable, les nuages menaçants. Je m'assieds sur la grille confortablement, je contemple la vie. Sur la grille confortablement, je contemple la ville. Southern trees bury strange fruit, blood at the leaves and blood at the roots. Black body swinging into the southern breeze, strange fruit hanging from poplar trees. Past the rough scene of the Gallant South, the bulging cracks and the twisted mouth. Scent of magnolia sweet and fresh, and the silent smell of burning flesh. Here is a fruit for the crops, too black for the rain, to gather for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crop. Here is a strange and bitter crop. Ooh. Here is a strange and bitter crop. Here is a strange and bitter crop. Je reviens sur mes pas, je marche vers la croix, à droite une ouverture. Des vêtements de prêtre, je m'habille la joie, je m'habille la joie. Puis enfin quelque chose, c'est le miracle. Deux vases en porcelaine émaillés de bleu azur et ornés d'or véritable se présentent à la lune. Ils sont ornés de lucarnes ou des vierges de marbre, pardonne aux pêcheurs. Je les veux, je les prends, béni soit mon grand sac. Repartir en courant, toute voile dehors. Touch me, talk to me, play with me. Like you play with your guitar, ha 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 ha. Like you play with your guitar, ha 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 ha. Là, ça continue, là, ah, non-stop. Mais, freestyle. Non, encore, moi, je j'arrêterai pas, là. OK, mais freestyle, quelqu'un, là. Du freestyle? Encore? Freestyle, la constellation freestyle. Là, je fais juste improviser, là. Ben, les textes, non, là. La musique. Mets-moi un peu plus de guitare. Ah, il y a le texte de la forêt aussi. Tu l'aimes-tu, ça, là? Il est cool, hein? Nous étions tous en voyage quand un brouillard s'approche. C'est la forêt des regrets amers, des doutes sans rémission. Gauche, une vieille dame me dit, ne faites jamais ce que je fis, qu'est-ce que je fis? Je ne fais rien de ma vie. Nous passons à cheval devant le castel. Peut-être devrions-nous nous arrêter, mais les moines vont-ils s'insulter? M'en revenant de la forêt fidèle, j'ai vu venir un soir de mai venir les oiseaux de la plaine. Waouh, je m'égare. Ouais.
L'un d'entre nous décide de rebrousser son chemin vers le nord. Il y a, semble-t-il, quelque part derrière lui un remords. Finirai-je avec celui-ci quand je serai mort? Quand je serai mort? Quand je serai mort? Me dirais-je, m'en revenant de la forêt fidèle, j'ai vu venir un soir de mai, venir les oiseaux des frontières, et j'ai voyagé à travers temps, j'ai revu le troisième sang, et j'ai repris l'âme guerrière, et j'ai repris l'âme du combattant. Y a-t-il un meurtre qu'on oublie? Y a-t-il quelque chose qu'on ne doit? Finirons-nous dans la forêt des regrets amers? Y a-t-il un meurtre qu'on oublie? Y a-t-il quelque chose qu'on ne doit? Finirons-nous dans la forêt des regrets amers? 40 system, do it, do it, do it, do it, yeah. 40 system, do it, do it, do it. Merci beaucoup, Jean. C'est super gentil. Merci d'avoir été là. Merci. C'était excellent. Alors, bon 25 ans, Claude. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont permis de durer comme ça pendant 25 ans. Toutes les personnes aussi de près ou de loin qui ont collaboré sur l'émission d'aujourd'hui de 2 heures. Donc, vraiment, beaucoup de job. Tu le méritais bien. J'en ai fait du stock. T'en as fait des affaires. Hein? Beaucoup, hein? Mais tu le méritais bien. Merci. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Merci. Au coup du patron jeté, au coup du patron jeté, les hommes sont toujours là.